c'est pas les deux qui. C'est un bouquet bien frais, mamie, je précise. Yeah, donc il faut que je jette vite. Alors là, y'a pas de temps de faire style. Elle est kinda avec un petit piercing. Je me dis qu'il faut que je trouve le moyen de lui faire signe. Et je me lance doucement comme un prédateur. Samedi à ça, c'est samedi partagé. On a quand même, on va s'attaquer au baobab. Je vais quand même attaquer au baobab, je vais me suicider. Je viens quand même me suicider comme ça devant vous. Donc, accompagnez-moi dans mon suicide. Je finis, je bolais. On partage. Bonjour Félix, tu es toujours là, vraiment, les postes sont toujours fidèles, merci partagé. Les artistes gabonais arrêtés avec le plagiat. Mais sérieux, plagiat ou pas, mais bon. So, comment allez-vous? Partagez-nous le live là, s'il vous plaît. Partagez-nous le live là. Vite fait. Voilà. On va d'abord commencer à bloquer les propositeurs. Excusez-moi pour mon français d'argent ici. Donc là, le marabout là sera banni du live. Et puis comme ça, c'est bon. Voilà. Bien, on est samedi, partagez avant que je ne commence. Oh, moi aussi, je vais chanter. Maintenant, nous tous sommes dans ça. Bon, bref, vous avez vu que depuis là, j'ai fait des pauses sur Shane Braddon. Vous êtes excités. Il y en a qui... En fait, si tu vois que tu ne peux plus commenter, je t'ai bloqué. Parce que moi, je ne supprime pas les commentaires. Je bloque. Je vais vous expliquer pourquoi je bloque. Moi, je vous dis souvent ici que je suis pour la contradiction, mais dans le respect. Je n'aime pas qu'on m'attribue les choses que je ne suis pas. Je n'aime pas qu'on vienne inventer les choses sur moi. Ça m'énerve, donc je bloque. Quand beaucoup d'entre vous vous le disent que je veux détruire mon frère, je te bloque. Quand beaucoup d'entre vous vous disent que je suis jalouse, je te bloque. Parce qu'il faut savoir analyser les choses. Il faut savoir prendre les gens dans leur état d'esprit. Claire, je ne sais pas détruire les gens. Claire, je ne sais pas nuire les gens. Claire, je sais dire ce qui se passe dans ma tête. Comme beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup hypocrites. Quand vous voyez les choses, vous suivez la masse. Moi, même si 2 millions de populations sont pour, je serai la seule qui serait contre eux. Donc, ce n'est pas parce que 2 millions seront pour que moi qui suis contre là, je vais détruire quelqu'un. Donc, voilà pourquoi vous allez voir que sur mon poste là, je vais vous bloquer parce que je ne veux pas que vous m'amenez des qualifications de meurtre. Je ne le suis pas. Quand vous voulez dire que je vais détruire Shane Braddon, que j'ai quel pouvoir de détruire Shane Braddon, que c'est moi qui tue les gens au Gabon,
que donc, d'abord, vous me, en fait, vous ne vous comprenez, vous ne vous analysez même pas. Un coup, vous me dites qu'avec seulement 200 likes, donc moi seulement avec 200 likes, avec mes petits 40 000 abonnés, je vais aller détruire quelqu'un qui a 25 millions d'abonnés. Hein? Donc, parce qu'il a 25 millions d'abonnés, qu'on doit tous accepter, oui. On ne peut plus poser des questions, on ne peut plus se poser des questions. Parce que c'est Shane Braddon. Ah, foutez-moi le camp là-bas. Foutez-moi le camp là-bas. Oh. Donc, bref. So, on va parler. On va parler. Il y a des uns, il y a des autres, il y a des extras. Je vais d'abord faire une petite mise en garde. Vous savez, moi j'aime toujours le faire. Comme ça, le devant, l'avenir me donnera raison. J'ai cité quel nom ici? Shane Braddon. Et puis je mets mon balcon d'insolent, aussi de Yann Dong. Là, j'ai mis à côté. Donc vous voyez les deux noms là. Les stars s'attaquent entre stars. Oui, je suis une star. Les influenceurs s'attaquent entre vous, les influenceurs. Les blogueurs entre vous, les activistes entre vous. J'ai dit Shane Braddon et Yann Dong. Tous les chihuahuas, ou toutes les chihuahuas, parce que la plupart du temps, c'est les chihuahuas. Toutes les chihuahuas, ou toutes les mandibules des petites vauriennes des réseaux sociaux qui aiment attaquer, insulter les gens pour avoir la visibilité. Je vous prierai d'inviter mon nom dans vos lives. Tant que vous n'êtes pas mentionné, parce que moi, je ne vous provoque pas. Moi, Claire, quand je parle de quelqu'un, c'est ciblé, c'est stratégique, c'est bien calculé. Vous ne me verrez pas venir dans vos blogs. Prendre vos blogs et venir faire que Claire, je vais prendre l'exemple. Josepha, prends ton tabouret. Est-ce que vous m'avez compris? Je n'arrête pas de vous dire ça ici, que je ne suis pas votre égal. Ne me mélangez pas dans vos conneries de réseaux sociaux pour avoir la visibilité. Je n'arrête pas de vous le dire. Donc, je le confirme. Si tu ne t'appelles pas Shane Braddon, ne ouvre même pas ton clitoris avec mon nom. Si tu ne t'appelles pas Yann Dong, ne ouvrez même pas vos clitoris avec mon nom. Vous comprenez? Parce que c'est toujours les femmes qui aiment venir me provoquer. Moi, je suis quelqu'un, je m'entends mieux avec les garçons. Je préfère provoquer mes garçons. Je ne vous provoque pas. Mais lorsqu'il y a une clitoris ou un clitoris mal rasé, mal poilu, viens m'embêter, c'est là où je sors. Donc, si tu n'as pas les testicules, que tu ne t'appelles pas Yann Dong et tu ne t'appelles pas Badocon, ne ouvre même pas ton clitoris et venir s'asseoir sur la chaise et dire que Claire, m'a pris le tabouret. Est-ce que vous m'entendez dans la compréhension, mes chers Isabelle, des femmes des réseaux sociaux? Parce que vous, avec mon nom là, quand vous me voyez, vos clitoris sont déjà pointus comme ça pour venir mettre vos bouches dans moi. C'est à vous que je m'adresse ici. Vous me laissez combattre mes frères. Vous dites que non, je cherche la visibilité. Laissez-moi aller chercher ma visibilité chez mes frères qui ont 25 millions. Allez-y faire pour vous. Allez-y faire pour vous. La personne qui sort avec mon nom ici dans les réseaux sociaux, moi je ne vous clèche plus. C'est directement tribunal. J'ai déjà dit ici, oubliez mon nom. Voilà. Vous avez compris? C'est d'abord la petite mise en garde que j'ai faite. Parce que moi, je suis fatiguée de vous subir ici. Moi, je ne provoque pas les gens. Dès que je fais mon lap, même si ça te pique là-bas, que Claire a mal parlé de Yando, a mal parlé de Shane Braddon aujourd'hui, je vais reprendre Claire. J'ai parlé mal de Shane Braddon. Si tu ne t'appelles pas Shane Braddon, ferme ton clitoris. Si tu ne t'appelles pas Yando, ferme ton clitoris. Vous avez compris les chihuahuas des réseaux sociaux. Parce que vous avez pris mon nom là comme votre poubelle. Voilà. Bien. Au moins vous êtes informé. Oui, c'est le clitoris. Ils vont fermer leur clitoris. Au moins vous êtes informé. Je m'adresse à Shane Braddon. Wesh. Celui-là, il va me fabriquer. Voilà. J'ai trouvé votre stratégie là-bas. Pour moi là, c'est Shane Braddon qui va me fabriquer. C'est lui-même qui va me donner aussi 1 million d'abonnés. Il faut me laisser manger le mouton brut là où il est attaché. Je vais manger derrière lui. Ne venez pas manger derrière moi, je ne vous dois rien. Allez-y manger chez Shane Braddon. Allez-y manger chez Badocon. Laissez-moi manger chez lui. Si vous aussi voulez manger, ouvrez vos caméras. Beaucoup d'entre vous êtes hypocrites, vous avez peur parce que vous voyez la masse publique. Eh, c'est lui le sauveur. Je m'en fous. Moi, je vais l'attaquer. Je vais faire quoi? C'est pour moi. Donc, quand il y a un lancer, on va le poste Claire Newman. Somme-Jim. Vous faites ton clitoris sur les réseaux sociaux, la crue. Bien. Entière la matière. C'est le petit cœur. Non, c'est pas le petit cœur. C'est imposer le respect. Je vous le dis souvent ici que je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas une influenceuse. Il faut savoir comprendre l'état d'esprit de quelqu'un. Je ne suis pas une blogueur. Je ne suis pas une influenceuse. Je suis une activiste. Voilà. Et pour moi, là,
quand ça se passe au pays, je mets la bouche dedans. Vous ne me verrez pas faire les trucs de blogueur. Prends ton tabouret et puis je commence à parler de ton père, de ta mère. À chaque fois, pourquoi vous ne répondez jamais à mes défis? Mes défis sont simples. Je vous mets souvent les défis là, que montrez-moi une seule fois que moi j'ai pris la vidéo de poste de quelqu'un est venu attaquer. Il n'y en a pas. Tant que vous ne répondez pas à mes défis là, sachez que je suis fidèle à à mes contenus. Je ne m'attaque pas aux gens. Mais comme les gens n'arrêtent, ont pris mon nom comme la poubelle, je les mets en garde. Qu'elles arrêtent vraiment de venir prononcer mon nom. Que je sois dans les réseaux sociaux ou pas, en bien ou en mal, j'interdis les cutoris wawawa qui me suivent dans les réseaux sociaux de venir parler de moi. J'interdis. Voilà, c'est comme ça. Parce que je ne suis plus dedans, je ne fais plus semblant. Il y a trop d'hypocrisie dans les réseaux sociaux ici. Beaucoup de blogueurs sont des hypocrites. Beaucoup de blogueurs d'abonnés sont des hypocrites, donc je n'ai pas envie de me parler avec eux. Je n'ai pas envie de me mélanger avec elles. Je n'ai pas envie. Je préfère être avec des hommes. Parce que moi-même, là, dans mon corps, là, c'est un homme. Mon esprit, c'est un esprit d'homme. Voilà. À vous poser des questions, pourquoi ce sont les hommes avec lesquels je m'entends mieux que les femmes? Parce que je suis un homme dans le corps d'une femme. Bien, j'ai beaucoup parlé. J'espère que l'introduction a été bien ciblée. Tu es pressé. Tu viens d'arriver, tu es pressé. C'est pas comme ça qu'on fait augmenter l'audience. Tu es là, oh, allons-y déjà. Si je pars directement, on va au but là, c'est pas vous allez partir. Donc tu attends. C'est, tu vas apprendre à une reine de la communication, comment elle fait faire sa communication. Attends. Tu as dit que tu ne parles plus des choses du Gabon. Toi, tu me connais. Hein? Je suis bipolaire. Je suis bipolaire. Oh. Donc, il faut laisser. Quand il y a des choses du Gabon qui tu parles, il faut laisser. Seulement. Moi, je ne vais pas parler des choses du Gabon. Comment? Bien. Donc, les amis, revenons à nos moutons. Le premier post où je vous parle que Shane Braden m'a promis. Beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'il m'a promis l'argent pour moi. Là encore, les Gabonais, vous êtes trop naïfs. Vous mettez parfois les organes là où il ne faut pas. Vous parlez parfois des choses parce que vous voulez entendre parler. Vous ne savez pas. En fait, vous n'êtes pas créative au Gabon. Beaucoup d'entre vous, voilà pourquoi on vous reproche le plagiat. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas créer. Vous n'êtes pas créative ou créative. Vous ne savez pas créer les choses. Vous suivez seulement la masse. Dès que quelqu'un fait jeu, vous suivez. Vous suivez seulement la masse. Donc vous ne pouvez pas interpréter. Vous ne pouvez pas analyser. Vous ne le saviez pas. Vous là-bas, vous savez seulement inventer. La créativité existe. Je ne dis pas qu'il n'a pas dit quelque chose. Shane Braden ne m'a pas promis l'argent personnellement. Parce que où je suis là, aucun de vous n'a dit que moi je suis allé commander l'argent personnellement pour moi. Shane Braden ne m'a pas promis l'argent personnellement. C'était un projet. Et le projet qui viendra en aide aux Gabonais, c'était pour Akamayon. Comme je demande de l'aide à tous les Gabonais, même Yandong. C'est comme si je prenais Yandong, même Yandong. Je l'ai demandé pour Akamayon. C'est pour Akamayon, non, c'était pour vous. Donc c'était pour Akamayon. Et donc c'était pour vous. C'est pas pour moi. Voilà, comme je fais la demande de dons partout, Yandong, j'ai demandé, il n'a jamais donné. Fenelia, depuis longtemps, il n'a jamais donné. Shane Braden aussi, il n'a jamais donné. Donc c'est normal, c'est pas pour moi. C'était pour Akamayon. Akamayon qui est pour vous. Les écoles de vos enfants, les habits de vos enfants, c'est pas pour moi. Donc vous comprenez que vous m'insultez même pour rien quand vous ne connaissez pas. Voilà. Vous m'insultez même pour rien quand vous ne connaissez pas. Donc il ne me doit rien. Il ne m'a rien promis. Il a promis d'aider quelque chose que je devais mettre en place. Il n'a pas fait. Comme Yandong a promis de me donner de l'argent pour Akamayon, il n'a pas fait. Voilà, c'est comme ça. Ils sont là toujours à promettre, je vais donner, ils ne donnent pas. Ils sont toujours là à promettre, je vais donner, ils ne donnent pas. J'en ai marre que les enfants là viennent me promettre qu'ils vont me donner, ils ne donnent pas. Donc maintenant, quand tu ne me donnes pas, j'attends, je prends, je viens t'insulter, je viens te mal parler. Donc mettez ça dans vos têtes. Papa, tu peux aller le contacter en privé. Jacques, je suis là, j'ai des gars. Shane Braden, tu peux me donner 1000 euros. C'est vous qui attendez l'argent des gens. Claire n'attend pas l'argent de quelqu'un. Bien. Maintenant, on va analyser le débat. D'accord? Moi, j'ai compris que c'est pour l'association. Merci beaucoup. On va analyser le débat. Combien de personnes que je dénonce ici viennent promettre à Akamayon l'argent, ils ne donnent pas? Ils viennent promettre que je vais t'aider, ils ne donnent pas. Ah! Faut arrêter. Vous pensez que tout le monde est mendiant dans les réseaux sociaux à demander l'argent matin, midi et soir? Oh, vous aussi. Quand quelqu'un vous passe pour vous, tout ce qu'il fait pour le Gabonais, je fais pour les Gabonais. Donc, si ensemble, on fait pour les Gabonais, on peut se soutenir pour qu'ensemble, là, toi, tu fais pour les artistes. Ouais, donc, si moi aussi, je vais soutenir les artistes, tu me dis, bon, Claire Newman, je vois que là, tu es doué dans Internet, est-ce que tu peux me créer une plateforme? Moi aussi, je vais soutenir. Moi aussi, je vais te demander, aide-moi à envoyer le contenu, aide-moi à faire ça. Vous me mettez en attente depuis, tu vois, quand tu appelles quelqu'un là, non. Madame et monsieur, veuillez attendre. On te met communication en attente pendant un an. Hein? En attente pendant un an. Vous voulez ouvrir vos cutoristes, mes postes ici. Que j'ai trop peur de qui? Maintenant, on va aller au vif le sujet comme vous êtes pressé là.
Quand j'ai trop peur de qui ici dans les réseaux sociaux, tu es amoureux de moi, ça va te passer. Bien. Maintenant, on arrive maintenant au poste. Analysons le poste. Claire. Analysons le poste maintenant correctement. Claire Brad, Shane Braddon, félicitations. Je commence par là parce que moi, je sais tirer le pour et le contre. Moi, je ne suis pas les chihuahuas, les gens qui viennent m'insulter ici parce que je te prononce. Hein. Je n'ai pas insulté tous les Gabonais. Moi, je suis les gens qui viennent m'insulter. C'est pas mal ce que tu fais pour le peuple gabonais. Pas pour le peuple gabonais, pour les artistes. Il ne faut pas abuser parce que beaucoup d'entre vous vous dites pour le peuple gabonais. Non, je ne dois ne faire rien pour le peuple gabonais. Il fait pour les artistes. Donc, il faut savoir cibler les choses. Parce que s'il fait pour le peuple gabonais, pardon, il y a beaucoup de Gabonais, vous ne serez pas dans les réseaux sociaux à venir dire qu'il manque l'eau, il manque le courant. Il ne fait pas pour le peuple gabonais, mais il fait pour les artistes. C'est bien ce que tu fais pour les artistes. C'est louable. C'est très, très, très louable. Tu comprends? Mais, dans le louable là, il y a des choses que moi, je vais trouver ambiguës dedans. Permets-moi de douter. D'accord, petit frère. Il y a des choses que je trouve un peu du buzz. Si c'est le buzz, permets-moi de rentrer dans ton buzz là. On va faire ça ensemble. Permets-moi aussi de m'asseoir et je mange ma part de buzz. Ouramanga. Voilà. Nga buzz aniti. Mama ni ni mi ni ni forcé buzz ati ni mama zidi nou anu damadine anu damane point tu dis mazi ti buzz ati ti mama tabi ti mama zidi buzz ati. Parce que Zama Zaralandi, aux propositions, il y a 99% des artistes ni. Donc j'analyse le buzz là. Si on va aller ensemble dans le buzz, on va se buzzer. Si c'est réalité, on va se féliciter. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de faire des émotions qu'on va détruire. Non, personne ne peut pas détruire un Gabonais qui fait des bonnes choses. On ne peut pas détruire un Gabonais qui fait des bonnes choses. C'est impossible. La personne là n'existe pas. La personne là n'existe pas. Mais comme nous sommes dans un pays qu'on sait que quand il y a trop de miel là, on sait que derrière le miel là, il y a peut-être une main noire dedans. Avec esprit d'activiste. Parce que pour ceux qui l'ignorent, Shane Braddon fut à l'époque mon ancien collègue de marchement du Trocadéro. Lui et moi, il m'avait même oublié. On s'était croisé au Trocadéro à l'époque en 2007. Donc, il fut à l'époque notre collègue du Trocadéro. Donc, ne vous en faites pas. Ce n'est pas un quelqu'un quelconque à qui je venais parler. C'est comme je parlais à vous et moi là qu'on ne connaît pas. You understand me? Donc, comme il fut un quelconque de mon Trocadéro là-bas, notre Trocadéro avant, ça me laisse un peu perplexe de dire que, attends, 300 millions de francs, c'est failli. La main noire à ça, quoi? C'est le main noire à ça, si, t'en as. Est-ce qu'il y a pas la main noire en bas? Donc, c'est ça, je vais essayer de voir un peu avec vous ici. Posons les codes, ébrouillons l'argent. Parce que vous, les Gabonais, quand il y a argent, vous avez les yeux fermés. Vous avez tendance à fermer le débat quand vous entendez les sommes. Vous avez tendance à fermer le débat. Le débat est clos lorsque la personne vous expose l'argent. Moi, je ne suis pas d'abord. Ouvrons l'argent. Ouvrons le débat. Laissez d'abord l'argent à côté et on voit. Ce que le frère fait pour les artistes, c'est bien. Il est le premier à le faire. Il sera le premier peut-être à le faire parce que beaucoup d'artistes ne l'ont jamais fait. Peut-être des artistes là n'avaient pas les mêmes sponsors que Shane Braddon. Voilà, mais c'est bien ce qu'il fait. Bon, continuons. Donc, il va mettre en place une stratégie, des manœuvres, des trucs qu'il va mettre en place pour les Gabonais. Merci encore aux gens qui me donnent des étoiles. Merci. Donnez-moi les étoiles. Quand vous ne pouvez pas me donner des abonnés, donnez-moi les étoiles comme ça. On va envoyer nos choses au village là-bas tranquille. Donc, voilà, il a décidé il y a 2 jours, il a fait un post. Je ne sais pas si c'est pour lancer un peu les pics à Vivi et Yaya Vich, comme on connaît leurs histoires, ou c'est vraiment pour faire un buzz, ou seulement pour faire des projets. Je vais quand même vous prendre de temps en temps les exemples, hein, les Gabonais. Comme vous êtes, nous, là, on aime seulement voir l'argent. Vous voyez, quand Econ a décidé d'aller construire une ville au Sénégal, et comme ce n'était pas sur la bouche que j'ai un projet d'ouvrir une bouche, ça veut dire qu'il avait déjà les partenaires, il avait déjà toute la maquette. Il est venu présenter le projet qu'il est en train de créer, une ville au Sénégal. Là, et qu'on n'a pas fait le bruit des gangs, il n'a pas fait de trucs de buzz sur les réseaux sociaux, là, machin, non. Il est venu présenter son projet déjà finalisé parce qu'il savait être là. Il a un projet pour le peuple sénégalais ou bien son investissement personnel. Est-ce que vous comprenez un peu là où je veux en venir pour notre frère? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu l'exemple comme ça. Le projet qu'il va faire, lui, c'est envers les artistes. C'est un projet noble. Mais laissez-moi aussi esprit
de timbrement que je suis, de dérangement que je suis, parce que j'ai comme l'impression que je suis la seule dérangée au Gabon qui voit le mal là où il y a le bien. Mais je ne vois pas le mal, je vois un hic, je vois une petite main noire dans cet investissement-là. Et c'est cette main noire-là qui me permet de poser des questions. Si je me trompe et que je fais fausse route, il n'y a rien de mal à ça. Qui me connaît sinon, je viens me dire que oh, je me suis trompée, qui va me remettre dans le vent de ma vieille mère parce que je venais dire aux Gabonais que je me suis trompée. Mais moi, je ne vais pas faire comme vous et gober la bouche glou, 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 glou. Il y a eu plusieurs artistes renommés de Baobab au Gabon qui n'ont pas fait comme lui, mais si lui le fait, on va le féliciter. En le félicitant, nous avons le droit de se positionner. C'est comme ici, enfant, tu commences à gagner beaucoup d'argent. Pam, 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 pam. Le fils ici, c'est quand même les impôts et tout ça. Les financements vont commencer à se poser des questions. Ils vont te demander l'origine de cet argent-là. Ils vont te demander d'où vient cet argent. Donc, permettez-moi de faire ça comme vous ne pouvez pas faire ça. Moi, je vais faire ça. Ça n'a rien à voir avec je vais détruire les Gabonais. N'est pas. Non, non, non. Au contraire, nous tous dedans. Moi aussi, je suis une artiste. Vous n'avez pas vu que j'ai commencé à faire les vidéos de comédien. Je suis maintenant une comédienne. Donc, il va aussi investir dans mon œuvre comédienne. Donc, moi, je suis là. Je suis comédienne. On va s'investir. Ah, bon, bonsoir, petite soeur. On va s'investir ensemble. Donc, voici comme ça, il y a deux jours, notre jeune frère, le jeune milliardaire gabonais, notre frère Shane Braddon, qui donne l'argent à ses artistes, et voilà, sans attendre rien en retour. Tu es la mieux placée pour... Attendez. La mieux placée... Pardon, laissez-moi d'abord les commentaires. Il y a deux jours, il a fait un magnifique post où il vient proposer quelque chose aux artistes. On va le lire ensemble et je vais vous dire le point où je trouve un peu hic dans ça. Bien. Est-ce que l'offre est bien placée? Yes. Est-ce que l'offre est la bienvenue? Yes. Parce que nous savons tous qu'au Gabon, les artistes gabonais pas meurent de faim, ne vivent pas selon leur œuvre. Les artistes gabonais ne mangent pas à la sueur de leur front. Les artistes gabonais, même les banos autres, là, quand on invite un artiste gabonais, il va commencer à nous dire tout récemment, même là, l'oiseau rare nous a demandé 7000 euros, on a boudé. On a dit qu'on n'a pas 7000 euros à te donner parce qu'on a déjà pris l'habitude de sous-estimer les artistes gabonais. Même nous, inconsciemment, on est comme ça, je vous dis la vérité. Même nous, inconsciemment, on minimise aussi nos artistes. C'est bien de valoriser, c'est bien ce qu'il fait. Alors nous allons analyser. Oui, je suis dans la comédie. 99% des artistes gabonais ne peuvent pas vivre avec le revenu de leur profession artistique et se concentrent à un emploi afin de tendre vers la stabilité financière. 99%. Donc ça veut dire que tous les artistes, que ce soit quand Olivier Angoma était, que ce soit à Kendenge, que ce donc les 1% là, ça doit être seulement patience d'Abani. Parce que c'est elle qui a l'argent. Le 1% là, c'est patience d'Abani. Parce que 99% c'est tous les artistes. Ariel T. Et qui est qui? Parce que tu n'as pas assez tôt. Que ce soit les Fundu, les Bakou, de qui? Et tous là. Donc on sait donc 99% là, c'est toi qui va venir redorer l'image de ça. Donc on va dire que, à part patience d'Abani qui a dépouillé l'argent de l'État qui peut vivre sainement de sa musique, il n'y a pas d'autres Gabonais qui vivent ça, c'est logique. Je ne sais pas sur quoi ça base, mais c'est bien. On continue. D'accord? Tu es déjà au studio. Ne m'en voulez pas. On continue. Conscient de cela, conscient que tous les Gabonais, tous les artistes, on met tous les artistes, parce que les 1% là, c'est comme je dis, 1% là, c'est que les patients d'Abani qui représentent les 1% qui restent. Donc, conscient de cela, j'ai décidé de leur donner un salaire. Voilà le point qui me hique un peu. J'ai décidé de leur donner un salaire. Donc, prenons l'exemple. Moi, tu n'as pas cité le nom. Je vais te prendre sur les mots. Prenez l'exemple Annie Fleur en France. Annie Fleur Batirelli en France, un artiste gabonais qui ne vit pas de son œuvre. Donc, le salaire, là, donc, par mois aussi, tu vas donner, enfin, je sais pas comment tu vas mettre ça en place. Tu vas donner un salaire à exemple, la grande Annie Fleur, qu'elle a un concert. Elle va contacter Shane Braddon pour réaliser son concert. Donc, si le concert ne paye pas bien, c'est toi qui vas le payer. C'est toi qui vas devoir payer. Moi, c'est ce artiste.
C'est toi qui vas devoir payer. Donc, j'ai décidé de leur donner un salaire, de leur construire des maisons. Aux artistes, aux 90%, 99%, les écrits sont là, c'est pas moi qui ai écrit, pardon. Tu as décidé de construire, je ne dis pas que c'est faux, voilà pourquoi je me posais la question sur la provenance, hein? De construire des maisons et d'offrir des salaires, surtout de rendre indépendants. Je tiens à préciser qu'ils perçoivent la totalité des revenus de leurs prestations. Voilà le gros mensonge que moi j'appelle buzz, la partie-là. Non, non, non. Voilà pourquoi je dis il faut préciser. Le poste est là. Il faut bien lire le français. Monsieur Valère, tu dis que c'est les artistes qui ont signé avec lui. Il n'a pas dit les artistes sous mon autorité. Les artistes sous mon contrat. Ce n'est pas mentionné. Quand j'ai dit analyse, c'est qu'on analyse le texte selon ce qui est écrit noir sur blanc. Je n'ai pas dit que je vais aller inventer ces artistes qui possèdent. C'est lui qui a écrit. Il a dit les artistes. Il n'a pas dit les artistes qu'il produit. Il a dit 99 et il a décidé. Il devait tout simplement dire les artistes sous mon label. Il n'y en a pas ça. Alors, il y a une place où qui me fait le hic. C'est le hic là où il dit. Ils percevront, ils vont percevoir, ils précisent que les artistes la perçoivent, la totalité de leurs revenus. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que un manager a forcément un gain dans l'investissement de son artiste. Donc, tous les artistes sont 99. Tu ne gagneras rien. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on veut peut-être prendre quel jeune là-bas. On veut prendre un jeune dans ton label. Et que tu demandes 15 millions dans ce label-là. Tu veux nous faire croire que tous les artistes-là, toi, tu n'as pas un retour sur investissement dedans. Tu veux faire croire aux Gabonais que tous les artistes-là que tu vas investir, non seulement tu perds de l'argent à donner et des maisons, et l'argent qu'ils gagnent, toi aussi, tu ne prends même pas un seul 100 francs dedans. Mais mon ami, tu fonctionnes comment? Quel est le tambour? Quel est le fond de roulement alors? Quel est le fond de roulement? Supposons que la plupart des artistes font des vidéos. Facebook, YouTube. Et on sait bien que Facebook, YouTube, ça paye. Ils ont peut-être gagné 40 millions. Donc les 40 millions là, tu donnes tous les 40 millions aux artistes. Mais comment tu vas construire alors les maisons aux artistes là? Si tous leurs revenus, tu donnes. Eh Seigneur, le français. C'est pas mieux que je parle français. Vous comprenez ce que je dis? Analyse approximative pour ne pas dire erroné. Si tu veux participer, mon frère, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas, ce n'est pas interdit. Si tu veux participer pour venir donner ton analyse, tu rentres, c'est libre choix. Ici, il n'y a pas de dictature, mais sur le respect. Dans le respect, il n'y a pas de dictature. Si tu sais que tu as un truc à dire, tu peux rentrer. Tu rentres, tu donnes ton analyse. L'analyse, le débat est ouvert à tout le monde. Voilà, moi j'ai l'esprit libre ici, l'esprit démocrate. Ce n'est pas comme vous fermé là. Donc, si tu veux participer, tu viens donner tes contre-arguments. Je pose la question. Il dit que c'est-à-dire que je travaille pour toi, totalement, tu me donnes le salaire, tu me construis tout. Même ici en entreprise en France, en tant qu'entreprise, je prends les charges, je prends les taxes sur mon employeur. Je prélève chez mon employeur quelques taxes. Je prélève des choses dans le salaire de mon employeur. Mais Shane Braden est le seul employeur. Non seulement il ne prélève pas les taxes, il ne prend pas les revenus, il ne prend pas le rendement de son investissement, mais il donne tout gratuit. À se poser la question, alors, laissez-moi vous poser alors cette question fondamentale. Quel est alors le fond de roulement? Parce que si aujourd'hui, les artistes font les vidéos et que les vidéos font sortir 20 millions de francs CFA et qu'ils sont peut-être 10, 5. Les 20 millions, il va les dispatcher à tous les artistes. Donc lui-même, il ne gagne rien aux 20 millions. Il donne tout aux artistes. Pareil, il construit des maisons parce que les artistes ont fait ça. Donc il va construire. Je me pose la question. Alors, comment lui, il se nourrit? Comment lui, il gagne cet argent? Comment lui, il parvient? C'est quoi la source? C'est quoi la source réelle de cet investissement-là? Puisqu'il ne gagne pas dans les artistes. Il ne gagne pas dans ces articles parce qu'aujourd'hui, partout, même là-bas, aux États-Unis, Baba, comme il appelle 50 Cent, Baba R. Kelly, toutes les productions, le but c'est que la production aussi puisse gagner. Mais Shane Braden sera la seule production au Gabon qui ne gagne pas, qui ne mange pas de l'argent de son investissement, qui ne veut pas manger de l'argent de ses artistes, qui donne tout. Ne me faites pas. Ne me rendez pas bête. Donc, ne me rendez pas bête.
Tu dis que l'argent que les artistes vont gagner. Ah, je n'ai pas compris le test. Ram, viens expliquer, Doris, viens expliquer le test. L'argent que les artistes vont gagner, qui gagne? Tu donnes ça. Toi-même sur Facebook, tu gagnes l'argent comment? Mais moi, je n'ai pas un artiste, mais est-ce que vous comprenez même les choses? Moi, je n'ai pas un artiste à financer. Si moi, j'avais un artiste à financer, comme exemple, la page que j'ai mis avec ma page normalement avec mes frères, quand je suis en train de faire un peu comédie, truc comme ça là. On va venir sur la question des milliardaires. Attendez, je vais épingler que c'est un milliardaire là. Voilà, c'est où? Voilà, on va épingler ça après. Ça, c'est vers la fin, je voulais parler de ça. Donc, c'est bien que tu me dis ça. Vous voyez la deuxième page où j'ai fait ma comédie, mes amusements avec mes amis là. Si une vidéo, je vous dis la vérité, si une vidéo comme la vidéo qu'on a fait là, si la vidéo là, parce que Facebook paye à partir de 100 dollars, si la vidéo là atteint 100 dollars, nous sommes trois, on va partager les 100 dollars à trois. C'est comme ça, parce que c'est qu'on travaille à trois. Mais lui, il dit, si ça produit, il ne prend pas 100 francs. Donc, non seulement les gens utilisent sa part, ils utilisent ses streaming, tout. Mais ils donnent tout gratuitement, tout. Vous travaillez, vous prenez. Vous machin, vous prenez. Lui ne prend pas. Alors, la question, comment alors lui, qu'est-ce que lui, il gagne? Qu'est-ce que lui, il gagne dans ça? Puisque tout, il donne gratuitement. Alors, vous ne voulez pas vous poser les questions. Hein? Puisque lui, il gagne tout, il donne tout gratuitement. Il donne des maisons. Donc, bon, il donne des maisons par rapport au revenu de Facebook. C'est normal. Au revenu de YouTube. C'est normal. On comprend. Mais qu'est-ce que lui, il gagne dedans? Puisque là, il dit qu'il ne dit pas. Il dit qu'il donne tout gratuitement. Et c'est impossible. Un producteur a forcément un retour sur investissement. Un producteur gagne toujours quelque part. Ça veut dire les revenus, soit tu dis, les revenus de leurs prestations seront donnés à la juste valeur. Là, on peut comprendre que dedans, si l'artiste a fait 10 000 euros, toi-même, tu vas prendre 7 000 euros et tu vas donner l'artiste 3 000 euros. C'est comme ça. Passons. Pourquoi vous parlez beaucoup comme ça là? Vous pensez que vous allez m'influencer dans quelque chose qui est déjà bloqué. Donc quand vous me regardez là, vous trouvez que je suis quelqu'un comme on va venir influencer avec vos mots bizarres là. Hein? Oh, arrête de mettre les choses, arrête de mettre ta bouche, ta grande bouche dans l'eau chaude du Gabon. Vous êtes jaloux de Sean Braddon. Oh quoi? Ah mais calme, mais laisse-moi alors être jaloux. Oh mon Dieu, donc là tu me vois là, c'est un homme que je suis là, c'est le Bangala que tu vois là. Déjà même toi même tu parles français comme moi, c'est moi qui suis maintenant jaloux. Je ne suis plus une femme, je suis maintenant un homme. Fous-moi le camp là-bas, imbécile. Mm-hmm. Alors, on n'y pas, c'est ça les gens comme ça, ils ne veulent pas réfléchir. Donc tu dis quelque chose, tu dis, il dit laissez-le travailler. Ok, alors on continue. Et donc, il tient à préciser qu'ils perçoivent la totalité de leurs revenus et que lui ne gagne pas quelque chose dans les revenus des artistes. D'après ses écrits, hein, ce n'est pas moi qui ai écrit. Hein. La gamme va poser directement la question à Sean Braddon. Pourquoi j'irai lui poser la question directement? La question a été, le poste a été, vous avez peur. Pourquoi vous agissez comme les bidonvilles comme ça là? Vos cerveaux sont comme les bidonvilles. Il a écrit dehors, il a écrit en privé. Donc, imaginons que, parce que c'est entre nous les Gabonais, imaginons qu'un grand chroniqueur prend ça et venir analyser son test. Imaginons que, je ne sais pas, les finances s'intéressent et viennent analyser. Vous allez dire aux financeurs ou les enquêteurs là que, va lui demander ça en privé. Oh, foutez le camp. Oh, va lui demander ça en privé, va lui demander ça en privé. Il a écrit en privé, il m'a envoyé une lettre privée. C'est pas c'est public. Donc, quand c'est public, on doit tout aller dire oui. Moi, je suis pas aidant. Je me pose des questions. Même si les questions là vous dérangent, laissez-moi me poser mes questions. Si tu ne veux pas répondre, tu passes ta route. Ah. Bien, on continue. Cependant, ils ne feront aucun concert national tant que les sommes proposées ne seront pas à la hauteur de leur talent. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que nous, là, nous sommes les gens qui aiment négocier les prix. Ça, par contre, c'est bien parce qu'il faut s'avouer que la plupart des artistes au Gabon ne sont pas payés à la juste valeur. On va prendre l'exemple, quand un prestataire va prendre une artiste gabonaise et qu'il va aller prendre une nigérienne ou ivoirienne ou camerounaise, les artistes extérieurs seront plus payés que les artistes gabonais. Et ça, c'est bien, il faut vraiment avoir des tests que lorsque vous invitez un artiste étranger, cet artiste étranger ne peut pas être plus payé que l'artiste gabonais. Voilà là où je te dis, bon, bravo frère.
Il faut vraiment mettre ça en place. Parce que nos artistes gabonais là sont les poubelles. Ils sont les poubelles pour nous tous là. Nous tous on aime bouder les prix. Si tu me demandes 2 millions, on dit encore de quoi. Tu chantes même quoi. Nous là, nous sommes comme ça. C'est nous-mêmes là, on veut les valoriser. C'est nous-mêmes là encore, on les piétine. Donc toi, si toi au moins tu veux mettre la règle sur ça, que à partir de dorénavant, si vous voulez inviter un artiste, il faut qu'il soit payé à sa juste valeur. Ça, c'est vrai. Bravo. Vous voyez que j'essaie de donner le point là où il faut, non? Et j'essaie de questionner là où il faut. Donc, si vos têtes sont bouchées, bouchez-vous jusqu'à la fin de vos vies. Vous understand me? C'est pas avec moi. Donc là, ça c'est vraiment un point très important, un point phénoménal, pour ne pas dire prédominant, qu'il faut vraiment bien mettre en avance, en évidence, surtout auprès du ministre de la Culture, je pense que c'est comme ça, au ministère de la Culture, pour que les artistes gabonais puissent au moins avoir les droits légalisés. Et ça même encore, je vais peut-être appeler aussi à d'autres artistes, peut-être de se joindre à toi, mais bon, je ne sais pas pourquoi tu vas se joindre à toi, mais de créer aussi un comité où, pour une fois, les droits des artistes gabonais soient valorisés, mis en valeur, à juste valeur. Ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas piétiner dessus, je ne peux pas, parce que tout travail mérite un salaire. Et là, tu as piétiné le point où les Gabonais ou les artistes gabonais vont aller chanter pour Ali Bongo parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, ils sont obligés d'aller faire des concerts à la noix, des concerts avec un dictateur qui tue les Gabonais. Ils vont oublier que c'est le même qui tue les Gabonais. Et mais tu vas aller voir le concert des 9 provinces, le concert des rassemblements, de quoi. C'est parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas les droits. Donc, ils sont obligés de mendier, de faire la prostitution politique. Voilà, j'appelle la plupart des artistes qui vont chanter pour le pouvoir gabonais. Ils font de la prostitution politique. Donc, s'ils peuvent se joindre pour dire que non, on a marre de se prostituer politiquement jusqu'à les gens-là, les politiciens vont nous utiliser parce qu'ils savent qu'on n'a rien. Pourquoi ne pas réclamer notre argent? Pourquoi ne pas réclamer nos droits pour que nos droits soient légalisés et fixer un barème qu'un artiste gabonais, quand tu l'invites nationalement, moyennement moins cher, s'il a demandé ses 5 millions, moyennement moins cher, je dis ça comme ça, s'il a demandé, c'est, au moins les barèmes sont fixes. Ça dépend aussi des catégories d'artistes. Parce que vous, là, parfois, les jeunes artistes aujourd'hui, excusez-moi, hein? Parce que si je prends Annie Flo Batiele à côté de la Kelenge et je prends vos Wolo Wolo qui chantent oh le goût, oh baiser baiser, oh je t'aime ta mayang, oh la cigarette est sortie par là, hé, hey, c'est pas le même prix. Donc il faut aussi voir comment vous allez définir, définir la catégorie des prix des gens. Il faut aller voir sa deuxième page sur Facebook chinois là-bas. Également, il fait beaucoup d'argent déjà. Pour les vues là, je vais vous expliquer comment. Parce que vous pensez que quand on a beaucoup de vues, on a beaucoup de millions. Facebook ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, c'est pas à moi de vous expliquer ça. Je vous ai déjà expliqué combien de fois les lives de vues. Tu peux avoir 1 million de vues. Je le dis là pour une dernière fois. Tu peux avoir 1 million de vues et peut-être faire seulement, je dis peut-être faire seulement 100 euros. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement les vues. Ce n'est pas sur Facebook ne te paye pas seulement sur le nombre de vues. C'est pas à moi de venir vous parler de Facebook ici là. Je vous ai déjà parlé de ça beaucoup de fois. Ce n'est pas parce qu'il a 45 millions de vues que forcément il a 45 millions. Dans ce cas, tout le monde serait milliardaire. C'est pas parce qu'il a 45 millions de vues que forcément il a 45 millions de francs CFA ou 45 millions de dollars. Ne me fatiguez pas avec ça. Facebook ne paye pas forcément au nombre de vues. Il y a beaucoup de paramètres qui sont mis en place pour qu'on te donne l'argent. Moi, il m'arrive de faire des vidéos, d'abonner des vidéos, je fais ça, m'a fait combien de fois? 300 000 vues. Vous pensez que j'ai eu même 100 euros dedans? Vous ne connaissez pas Facebook, comment Facebook fonctionne? Monétisez déjà vos pages. Ou même vous allez voir comment vos pages fonctionnent avec la monétisation. Vous me fatiguez là, il fait beaucoup de vues, Dans ce cas-là, les Ivoiriens là seront déjà des milliardaires, non? C'est pas ça, ils sont derrière les marraines, avoir des marraines pour leur financer. S'il y a des gens qui veulent déjà être des millionnaires là en Afrique, c'est pas ça les Ivoiriens. On continue. Alors, Willy Wula, toi aussi je vais te clasher. Willy Wula, Badokon, toi aussi je vais te clasher. Espèce de Badokon de Willy Wula. Toi là aussi je vais te clasher un bonjour. Tu comprends? Sors-nous au Demokan. Toi aussi tu es venu me promettre ici que tu vas donner à Kamayon l'argent. Tu n'as pas donné. Bande d'imbéciles que vous souffrez dans les réseaux sociaux, vous baladez avec des promesses en l'air. Voyou que tu souffres. Ma boule. Donc revenons à nos moutons, s'il vous plaît.
Cependant, ils ne feront aucun concert tant que les sommes proposées ne seront pas à la hauteur de leur talent. That's fine. Ensuite, le 1er novembre, la TV décaissera la somme de 500 000 $. 500 000 $, c'est en francs CFA, 250 millions de francs CFA, pas en euros, parce qu'on convertit le dollar en francs CFA. Et donc d'abord le dollar en euros, euros en francs CFA. J'ai vu les gens convertir ça en euros. Il n'a pas parlé en euros pour le convertir en francs CFA, il a parlé en dollars. Donc 500 000 $, ça fait 250 millions de francs CFA et non 300 millions. C'est pas 300 millions, hein, parce que je sais que le dollar et le franc CFA, c'est presque la moitié. Donc, il promet 250 millions de francs CFA. Il promet 250 millions de francs CFA pour aider les acteurs culturels de mon pays, le Gabon, les ingénieurs de son, les pages culturelles. Chaque fois, donc, c'est une page culturelle. Si tu m'oublies, tu connais. Ça, je dis acte 1. Si tu m'oublies, il y aura acte 2. Si tu m'oublies encore, il y aura acte 3 jusqu'à acte 50. Donc, il dit que les ingénieurs, les pages culturelles, les danseurs, les médias, je suis un média, il ne faut pas m'oublier, chacun parle pour sa tête. Hein? Les médias, les artistes, les réalisateurs, les humoristes, moi, là, quand j'ai fait, là, je suis humoriste, etc. Ceux-ci seront soutenus et suivis dans la réalisation de leur projet personnel. Alors, on va parler aussi là. Bon, ça a été dit comme ça à la volée. Voilà, hein, papa. Enfin, c'est un bon projet, c'est, ça donne les étoiles aux yeux. Ça a été dit comme ça à la volée. Mais petit frère, permets-moi de te dire que ça a l'air de, je ne sais pas, comment tous les artistes là, 250 millions, même moi-même j'ai envie de dire même déjà, en vrai, le budget n'est pas à la hauteur de tous les artistes pour tout ce que tu as envie de faire. Ça dépend de ce que tu as. Ou bien c'est les investissements à 100 000 francs CFA. Hmm? Ou bien c'est les investissements à 50 000 francs CFA. Parce que 250 millions de francs CFA. Imaginons que un réalisateur a une série ou un film et que le film a un budget à peu près de 25 millions de francs CFA. Il vient te donner ce projet de 25 millions de francs.